Nous avons vu donc dans une précédente vidéo sur la fonction texte qu'on va encore aborder ici, comment gérer un peu les formats de date. Ici, on va se focaliser sur les nombres globaux, les nombres en général, sur trois exemples. Ici, des nombres normaux, des numéros de téléphone et des codes postaux. Ici, sur des nombres normaux, je vais vous montrer donc comment on utilise une fonction de texte. Donc, il y a deux arguments. Le premier, c'est la valeur dont on va changer le format. Donc ici, et on va choisir le format, donc on va mettre entre guillemets. Alors c'est des codes formats à utiliser, donc il faut soit les connaître, soit regarder dans les formats directement. Ici, on veut afficher le format avec 4 chiffres, quoi qu'il arrive, 2 chiffres après la virgule, et en euros. Donc pour ça, on va faire des 0, 1, on va mettre un espace pour les milliers, 2, 3, 4, virgule, 0, 0. Donc si on met des 0, il va prendre ce nombre de chiffres-là, et s'il n'y a pas autant de chiffres que voulu, il va rajouter un 0 à la place de ces chiffres-là. Donc par exemple ici, il va rajouter un 0 devant, parce que c'est que les centaines. Ici, pareil, il va rajouter un 0 devant, et il va également rajouter donc des 0 après la virgule. Donc voilà ce qui va se passer. Donc ça, c'est quand on met des 0. Quand on met des 0, il va rajouter un 0 pour le nombre de chiffres qu'on lui a demandé dans le format. Si maintenant je veux uniquement le nombre existant, donc les nombres qui existent, je vais mettre des dièses, 1, 2, 3, donc je vais faire la même chose, dièse, dièse. Ici, la seule différence, c'est que il ne va pas donc me mettre, quand il n'existe pas de chiffres, par exemple des milliers, il ne va pas m'en mettre. Pareil pour ce qu'il y a après la virgule. Alors là, le problème dans le format que j'ai mis, c'est que il va tout de même me mettre la virgule. Donc après, voilà, c'est à vous de moduler en fonction de ce que vous cherchez. Donc ici, il va me mettre, voilà, donc un seul, 3 chiffres avec 2 virgules, ici juste 3 chiffres, etc., etc. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec les nombres normaux. Bien évidemment, il existe plein de formats que je vous invite à regarder dans les formats personnalisés ou sur Internet. Mais là, c'est pour vous montrer un exemple. Ici, donc, on va utiliser justement les 0. Là, on voit qu'il y a des numéros de téléphone qui contiennent 9 chiffres, alors que nous, on veut 10 chiffres avec un 0 devant. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une fonction texte. Alors c'est pratique pour standardiser les numéros de téléphone. On sait que sur Excel, et ça va être la même chose pour les codes postaux, quand on met un 0 devant, par exemple, on écrit un numéro de téléphone, il va nous sucrer le 0 parce qu'il considère que c'est un 0 superflu. Et vu que c'est un nombre, bah, quand on écrit 01, il va mettre 1. Par exemple. Donc là, c'est pareil pour les numéros de téléphone qu'il considère comme des nombres. Il va enlever de temps en temps le 0. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, quoi qu'il arrive, donc dans ce numéro de téléphone-là, je vais mettre 10 chiffres avec des 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui fait que s'il n'y a pas de 0, il va en rajouter un devant. Et s'il y a des 0, bah, il va les laisser tout simplement. Alors, on pourrait même choisir un format avec des espaces. Si vous voulez un numéro de téléphone avec des espaces, voilà ce qu'il va faire. Il va mettre des espaces, pareil avec des tirets. Donc là, on peut choisir les formats, mais en tout cas, il va rajouter un 0 à chaque fois devant. Et pour les codes postaux, ça va être pareil. Souvent, par exemple, pour les 04600, quand on va écrire le code postal à la main, ou 01200 sur des départements qui sont entre 1 et 9, il va nous sucrer le 0 aussi. Donc là, on va faire exactement pareil. Égal texte. Texte de quoi? Du code postal ici, avec donc 5 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, et si il n'y a pas, alors effectivement il y a les codes postaux belges, mais là on n'est que sur les codes postaux français, donc il faut qu'il y ait un 0 devant si jamais il n'y a que 4 chiffres, et là effectivement il va mettre les bons codes postaux avec 04600, 01200, etc., etc. Donc voilà un peu pour quelques exemples de la fonction de texte. Il y aura très certainement une troisième vidéo sur les fonctions de texte de manière un peu plus avancée. Mais voilà, déjà vous avez quand même un ordre d'idée de ce qu'on peut faire avec cette fonction. Je vous invite à regarder les autres vidéos de texte ou d'autres vidéos sur des sujets qui pourraient vous intéresser sur la chaîne YouTube directement.